L'habit sain, chat élégant à la robe d'exception. Les grands yeux et les oreilles remarquables du chat abyssin en disent long sur le caractère de cette race de chat. Les abyssins sont des chats très proches de l'homme et font preuve d'une curiosité exacerbée. On les appelle souvent les « mini pumas ». Rien d'étonnant. Leurs pattes élancées leur confèrent une apparence athlétique et dynamique. De plus, les abyssins appartiennent à la race de chats la plus légère, les femelles pesant jusqu'à 4 kg et les mâles jusqu'à 5 kg. Leur caractère curieux et leur ouverture d'esprit se reflètent sur leur visage, surtout dans leurs yeux verts, ambre ou marron clair, en forme d'amande. Le contour foncé autour de leurs yeux est particulièrement frappant. Les grandes oreilles de l'abyssin révèlent qu'il jouit d'une très bonne ouïe. Il est toujours très intéressé par ce qu'il se passe aux alentours et ne cache pas sa curiosité lorsque les membres de sa famille sont occupés. Ses oreilles sont relativement éloignées l'une de l'autre et assez larges. La tête de l'abyssin est cunéiforme, avec des contours tout en douceur et un stop peu marqué. Son cou est plutôt allongé et gracieux. Ses pattes élancées, ses pieds de forme ovale ainsi que sa queue fine viennent renforcer l'image active et agile de ce chat. Du fait d'une quasi-absence de sous-poils, le pelage des abyssins est extrêmement fin et doux. Ces chats ont cependant une collerette de poils bien présente au niveau du cou. Au niveau des épaules, leurs poils sont légèrement plus courts. Les abyssins présentent une couleur de pelage particulièrement frappante, comparable à celle des lapins sauvages ou lapins de garenne. Les abyssins sont des chats orientaux, de la tête au coussinet pour ainsi dire. Attentifs, joueurs et actifs, ils apprécient suivre les êtres humains avec curiosité en observant tous leurs faits et gestes. Les abyssins sont particulièrement intelligents et c'est pourquoi ils ont besoin d'être stimulés. Retrouver de la nourriture cachée, jouer avec le catty design sensé et même faire des acrobaties font partie de leur passe-temps préféré. Ces chats curieux sont toujours partants pour toutes sortes d'activités. Cela vaut tout particulièrement lorsqu'ils y jouent avec les êtres humains. Les abyssins sont des animaux sociables, très proches de l'homme et n'aiment pas être seuls. Cependant, seul un autre chat peut être pour lui un véritable compagnon de jeu. Car oui, idéalement, l'abyssin ne doit pas être le seul chat de la maison. Lorsqu'ils vivent en cohabitation, ils sont souvent dominants, mais une socialisation dès le plus jeune âge rendra la cohabitation plus agréable. Les chatons de la même portée font en général bon ménage. Lors de votre visite chez l'éleveur, demandez-vous si vous ne souhaitez pas repartir avec deux chatons. Plus tard, ils vous en seront reconnaissants. Ces chats actifs s'adaptent à la vie en intérieur mais sous certaines conditions. Un jardin sécurisé ou un balcon doté d'un arbre à chat leur conviendra pour se défouler. Contrairement à la majorité des chats orientaux, les miaulements de l'abyssin sont très doux. On pourrait presque dire qu'il s'agit d'un chat silencieux. Le nom est trompeur, car cette race n'est pas originaire d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, même si son nom le suggère. Le postulat que les Abyssins seraient des descendants des animaux divins d'Égypte ancienne est tout aussi faux. Les Abyssins viennent d'une région bien différente, plus précisément de la jungle de l'Asie du Sud-Est.
L'Abyssin a besoin d'espace, d'un jardin, d'arbres, même s'il s'habitue bien à la vie en appartement. Il déteste par contre la solitude. L'idéal est qu'il ait un compagnon, chien ou chat avec qui il s'entend bien. Côté toilettage, son poil court ne nécessite pas un entretien particulier, seulement un brossage par semaine. Une bonne alimentation est la clé pour garder son chat abyssin bonne santé. Étant carnivore, les chats ont besoin de consommer une grande quantité de protéines saines. La meilleure solution reste une alimentation naturelle à base de viande fraîche, une méthode d'alimentation aussi connue sous le nom de régime BARF. Les glucides et les produits végétaux doivent être consommés par les chats en faible quantité. Élevage des chats abyssins. Étant donné les maladies qui menacent les abyssins, il est essentiel de se tourner vers un éleveur professionnel et responsable si vous souhaitez adopter un chat de la race. Vous ne devriez en aucun cas faire confiance à ces éleveurs de masse qui offrent des races de chats à bon prix. Ces prix avantageux doivent vous mettre la puce à l'oreille. Bien souvent, les éleveurs de ces chats ne sont pas très intéressés par leur santé ni leur bien-être, mais davantage par le profit. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.